Bonjour à tous, mais que se passe-t-il avec ces exercices militaires géants qui se multiplient sur le continent européen? Et d'ailleurs, la France va en faire un très grand, mais il y a très 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 souvent, voire toujours, les États-Unis dedans. Très souvent aussi dans le cadre de l'OTAN. Des choses qui s'accélèrent, inédites, qui laissent penser que on prépare peut-être une guerre mondiale, une guerre de haute intensité sur le territoire des pays européens et le territoire français. C'est gravissime. En tout cas, il faut qu'on étudie ces exercices militaires étranges. On va le faire dans cette vidéo de manière très concrète, vous allez voir. C'est passionnant. Je pense que vous allez honnêtement apprendre beaucoup de choses. Moi, j'en ai pas mal appris en préparant cette vidéo. Et je veux alerter, je veux la paix. On va en reparler, évidemment, en conclusion de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Donc, déjà, il faut informer les Français. Donc, faites circuler, si vous voulez bien, cette vidéo. Et pour cela, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, peut-être. Le bon engagement de ce début 2023. Je présente tous mes vœux à ceux qui n'ont pas encore vu mes vœux précédents. Bien évidemment, ceux qui verraient cette vidéo pour la première de l'année. Le lien pour, en tout cas, non, c'est même pas un lien, c'est un petit bouton. Vous cliquez dessus, s'abonner à la chaîne, vous cliquez, c'est instantané, c'est gratuit. Vous êtes abonné, hop. Et je vous assure que vous donnerez de la visibilité et de la force à ces vidéos parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Voilà, c'est tout simple. Grand merci à ceux qui comprendront vraiment l'intérêt d'être abonnés et on file vers les 500 000 abonnés ensemble. Je vous rappelle ce défi quand même, hein, qui est fondamental et on le fêtera, vous allez voir, comme il se doit, comme on n'a jamais fêté les choses jusqu'ici. On va mettre le paquet. Je vous attends, je vous attends. Alors, deux petites choses. D'abord, la grande pétition nationale, plus stop restriction Covid, ils prennent prétexte de la Chine. Le lien est sous la vidéo en description, vous pouvez la signer et la relayer. Je vous rappelle qu'à partir de ce lundi 2 janvier, vous avez jusqu'au jeudi 5 janvier soir, vous pourrez répondre à un questionnaire que les adhérents à jour aux Patriotes recevront pour tracer les perspectives de ce début 2023. Très important, on va vous écouter, on va faire ce que vous allez dire. Tout simplement. Mais pour ça, il faut être adhérent à jour aux Patriotes. Alors, vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle si vous n'êtes plus à jour. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Vous le trouverez également ce lien en commentaire épinglé. Vous le trouverez également dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant sur votre écran directement. Et vous rejoindrez non seulement, vous pourrez répondre à ce questionnaire, mais en plus, vous rejoindrez une communauté magnifique de convictions, de cœur et de valeurs pour les belles valeurs que nous défendons ensemble, la liberté, la souveraineté, la paix. L'avenir d'une France éternelle, belle, rebelle et libre, indépendante, et d'un monde humain. Mais c'est ça. Face à l'oligarchie, plus que jamais en 2023, et vous allez voir, ça va secouer. Je vous attends pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Comme l'adhésion et la réadhésion, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Les compteurs fiscaux sont remis à zéro. Profitez-en. Le don nous permet de financer nos actions parce qu'on n'a pas un centime de financement public cette année, ni aucune aide bancaire. Or, on fait, on va faire, et ça coûte une fortune. Avec l'inflation. Les dons supérieurs à 500 euros, il y a un avantage, service personnalisé pour vous et au-delà. Mais tout ça est expliqué sur le site des Patriotes. Voilà. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes de 2023. Et on est parti. Les très étranges exercices militaires inédits, très souvent liés aux États-Unis. Annonciateurs peut-être. Il faut toujours se méfier quand ils font des exercices, hein, vous le savez. Hein. Peut-être annonciateurs d'une guerre de haute intensité, une guerre chaude, comme on dit, sur le continent européen. Bon. Alors. Il y a d'abord ce grand exercice français, entre guillemets, ben c'est pas si français que ça, vous allez voir. Annoncé alors par une dépêche de l'AFP du 15 novembre dernier, mais on n'en avait pas encore parlé sur cette chaîne, donc on va en parler. Puis il y a une nouvelle actualité. Ça a été annoncé à l'époque par le général Yves Métayer lors d'une conférence de presse, donc c'était il y a quelques semaines. Un grand exercice militaire qui n'a pas encore commencé, hein, au premier semestre 2023 en France, qui s'appelle MX Orion. Parfois, tout simplement, on le dit Orion. Alors, qui va, je cite, mettre à contribution plus de 10 000 soldats français issus de l'ensemble des composantes de l'armée française. Alors, il y aura trois phases. La première, de fin février 2023, là, dans quelques semaines, jusqu'à début mai. Ce sera 7 000 militaires pour des opérations navales, essentiellement en Méditerranée, plus une phase aéroportée dans le sud de la France, un débarquement. Bon. Et notamment, ça, c'est quand même intéressant à noter, voire assez inquiétant. Dans la simulation, ces soldats seront face à des milices qui sont constituées en France, mais manipulées par un État puissant doté de l'arme nucléaire. C'est ça dans le scénario. Donc c'est une sorte d'ennemi de l'intérieur. On se bat contre des Français. C'est ça qui a été simulé. Bon, un État donc doté de l'arme nucléaire, je cite, qui orchestre ses troubles. Bon, vous avez compris, à votre avis, quel État est visé? À l'Est, un grand pays, géographiquement. Bon.
La Russie, bien sûr, vous avez compris. Alors, ce n'est pas explicitement écrit, bien sûr, enfin bon, tout le monde a compris. Deuxième phase, ce sera une phase civilo-militaire, en fait, qui sera centrée surtout sur les différents moyens de soutien civil aux armées. Est-ce que c'est au point, la santé, les transports, la lutte informationnelle, etc., etc. Et la troisième, de mi-avril à début mai, donc elle est assez courte, elle est assez intense, c'est carrément la simulation d'un affrontement terrestre de haute intensité face à 7 États, donc face à la Russie, en fait, hein, dans le nord-est de la France, avec là le déploiement de 10 à 12 000 soldats, mais pas du tout que français. C'est là que vous allez voir qu'il y a un caractère de guerre mondiale. En effet, l'AFP nous précise, je cite, « L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les États-Unis sont associés à cet exercice. » Vous reconnaissez tous les pays principaux, hein, il y en a quelques autres, mais enfin bon, qui sont en soutien à l'Ukraine de Zelensky contre la Russie, hein, et ça a un caractère quand même de guerre mondiale quand on associe ces pays-là. Alors, selon un article qui avait été écrit par Europe 1, qui est toujours en ligne, du 17 novembre dernier, sur cet exercice Orion, c'est, je cite, un exercice d'ampleur inédite en France. C'est bien sûr, ils l'écrivent, un écho avec la guerre en Ukraine. C'est le plus grand depuis la fin de la guerre froide. Je voudrais quand même rappeler qu'à titre de comparaison, la France organise à peu près chaque année des exercices, bien sûr, militaires. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas en faire, attention. Hein. Ce n'est pas du tout cela. Là, je veux quand même pointer la récente accélération, le caractère anti-russe, le caractère mondialisé et le caractère très lié aux États-Unis et à l'OTAN. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des exercices militaires, ça, il y en a toujours eu, c'est normal. Mais la France organise chaque année des exercices au niveau normalement bon, d'une compagnie de combat à peu près 140 personnes, parfois au niveau d'un régiment 600 000 personnes, 600 ou 1000 personnes, et beaucoup moins souvent, mais parfois au niveau d'une brigade, on va dire 3 000 personnes. Là, on est sur un format beaucoup plus important, mais pas que français. Hein, avec une forte dimension américaine. Alors, ça suit d'autres exercices assez étonnants, inédits, qui s'accélèrent hein, depuis, dans le cadre beaucoup de l'OTAN, hein, ces dernières années. Alors, vous avez eu, début 2020, l'exercice Defender de l'OTAN, qui ensuite a été reconduit en 2021 et en 2022, j'y reviens. Alors, exercice Defender de l'OTAN, je cite, hein, c'est le plus grand exercice de l'OTAN en Europe depuis 25 ans. Et à l'époque, c'est l'OTAN qui l'explique, hein. L'Allemagne sert de base militaire pour le renforcement contre la Russie, encore une fois, avec 20 000 soldats, et 20 000 soldats aussi pour Defender, mais en 2021. Et en mai 2022, vous avez eu Defender 2022 et Swift Response, deux exercices avec 18 000 militaires de 20 pays, beaucoup en Pologne et dans 8 autres pays, nous explique le site de l'OTAN dans un article qui est toujours en ligne, qui date du 16 mai 2022. Nous notons qu'il y a depuis 2014, en fait, la crise ukrainienne avec ce qui a été organisé, l'Euromaïdan, une ampleur et une régularité des exercices de l'OTAN en Europe, de l'Est essentiellement, mais plus simplement maintenant, qui a augmenté, je cite, de façon spectaculaire. Bon. Et ça, donc, vous voyez bien avant février 2022 et le déclenchement des hostilités en Ukraine. Bon. Alors, en France, vous avez aussi un exercice tout à fait particulier qui s'est passé en 2021, fin 2021, qui s'appelle Polaris 21. Et là, on va voir la description sur le site du ministère des armées français. Vous allez comprendre la description, tout y est, hein, tout est expliqué, je cite. « Imaginez la guerre de demain en mer, un affrontement de haute intensité entre deux forces aéromaritimes symétriques capables de livrer un combat acharné au large, mais également dans les airs, à terre ou bien encore dans le champ cyber. » C'est en ces termes que l'on pourrait décrire Polaris 21, entraînement interarmé et interallié au combat à venir en conditions réelles. Alors, ça rassemble, je cite le site du ministère, hein, plus de 20 navires français et alliés, plus des unités de l'armée de terre, de l'air et de l'espace. Et selon un article qui a été écrit sur Polaris le 6 janvier dernier 2022, sur France 24, je cite, il y a 5 nations alliées, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. On retrouve la composante anglo-saxonne, notamment les États-Unis. Et France 24 écrit, c'est un laboratoire de guerre internationale. Bon. Et puis, vous avez eu également en France l'opération Mousquetaire. L'opération Mousquetaire, là, il faut aller voir sur le site de la gendarmerie, article publié le 29 mars 2021. Mais je vous en parle parce que vous allez voir, c'est un caractère totalement inédit. Alors, la gendarmerie le définit lui-même, elle-même comme cela. Comment la gendarmerie assure-t-elle la sécurité des forces armées américaines? Description, là aussi, je vous fais une petite description sur le site.
Tous les 9 mois, les États-Unis procèdent à la relève de leurs forces stationnées en Europe, qui sont plus élevées que jamais, plus de 100 000 soldats américains en ce moment en Europe. Je reprends ce qu'écrit la gendarmerie française. L'été dernier, donc là, on était en 2020 déjà, une partie de cette rotation avait transité par l'Hexagone, par la France. De nouveau, en mars 2021, la France accueille les équipements et matériels d'une brigade d'aérocombat américaine. Et pour garantir le bon acheminement des capacités militaires US vers ses bases européennes, la gendarmerie a déployé une véritable bulle de protection. Ce que vous explique la gendarmerie, c'est que la relève des forces américaines en Europe passe de plus en plus souvent par le territoire français, ce qui n'était pas le cas avant. Et la gendarmerie, elle écrit elle-même. Donc quand elle passe, il faut les sécuriser. C'est le rôle de la gendarmerie française qui fait des exercices pour cela, des opérations. C'est plus un exercice, c'est une vraie opération qui s'appelle Mousquetaire. Est-ce que c'est le retour des bases américaines en France, progressivement, pour nous y réaccoutumer, qui avait été, vous le savez, viré par le général de Gaulle dans les années 60? En tout cas, écrit la gendarmerie sur cette opération Mousquetaire, je cite, « Pour la seconde fois en 60 ans, le territoire français est à nouveau la plaque tournante de ce dispositif américain. » Sauf que les deux fois, c'est en 2020 et en 2021. Donc vous voyez que c'est très rapproché dans le temps. Il y a eu 273 jours, écrit la gendarmerie, entre les deux fois où les troupes américaines sont passées par la France. Est-ce qu'à un moment, elles vont s'y stationner et remettre des bases, comme il y en a en Allemagne, en Pologne, etc. Mais c'est à se demander. C'est un signe de soumission, en tout cas. Et alors là, c'est assez fou. Pour le réveillon, on le sait par France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, du article du 31 décembre 2022, tout récent, je cite, 5000 marines de l'US Navy font escale à Marseille pour les fêtes, dont le porte-avions USS George Bush, de 333 mètres de long et 100 000 tonnes. Voilà, alors, bon, on nous dit c'est juste pour le réveillon, c'est les fêtes. Bon. Enfin, je le signale quand même, on a un bâtiment de 100 000 tonnes américains. Au port de Marseille. Alors, que se passe-t-il? C'est pas totalement exhaustif, il y a plein d'exercices de l'OTAN en ce moment, mais je vous parle des principaux, et je vous parle de ce qui va se passer, et je vous parle surtout des caractères inédits et intéressants à noter. Que se passe-t-il? On voit que c'est pas totalement depuis la guerre d'Ukraine, même si ça s'est accéléré encore, c'est-à-dire depuis février 2022, ça se mijotait déjà avant, mais surtout depuis 2014. Déjà lié à un événement ukrainien face à la Russie. C'est toujours très lié aux États-Unis et à l'OTAN, vous l'avez remarqué. Toujours. Est-ce qu'il y a préparation d'une guerre de haute intensité sur le continent européen, dont la France? La question que je pose, c'est qui a donné son accord pour tout cela? Qui approuve cela? Dans quelle stratégie ça se met en place? Qui est au courant? Est-ce qu'il y a des débats au Parlement? C'est des choses toutes bêtes, concrètes, mais essentielles. Pas nous, en tout cas. Non pas que je refuse les exercices militaires, c'est important, c'est indispensable pour les soldats, c'est pas le sujet, mais je refuse dans ces configurations-là. Si on se bat pour la paix, alors on doit être alerté par ce qui se passe, et par le jeu américain en Europe et en France. Faites circuler la vidéo et l'information, il faut que les Français soient au courant. Les Français ne sont pas au courant de tout ça, pas du tout. Faites circuler si vous voulez bien la vidéo, et pour cela abonnez-vous à la chaîne, le petit bouton en dessous, vous cliquez s'abonner, c'est gratuit, c'est instantané, hop, une seconde, vous êtes abonné. Grand merci à ceux qui l'ont fait récemment et à ceux qui vont le faire en ce tout début de 2023 qui jusqu'ici ne s'étaient jamais abonnés à la chaîne, même quand ils regardent déjà les vidéos, et je vous en remercie énormément. On se bat ensemble aux patriotes. Si vous voulez répondre au questionnaire qui commence ce lundi 2 janvier, lien cliquable, non transférable, lien unique, ce sera sécurisé, mais comme adhérent à jour, vous pouvez y répondre pour définir la stratégie, ce qui compte pour vous. Il faut être adhérent à jour aux patriotes et vous aurez jusqu'à jeudi 5 janvier au soir pour répondre. Dans tous les cas, vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour. C'est à vous de le faire, c'est pas automatique. Hein. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. C'est également un lien en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant sur l'écran, et vous avez cette carte orange d'espérance. Et on se bat pour nous et les générations qui viennent. Pas que pour nous, pour les générations qui viennent aussi. C'est essentiel, les enfants et petits-enfants. Et on se bat en France, de métropole, d'outre-mer et à l'étranger. On est présent partout. Mais contre l'oligarchie, dans la résistance. Vous pouvez également faire un don de soutien à nos actions, à nos projets. Don de soutien aux patriotes, on n'a pas eu d'aide publique en 2022, rien. Or, on fait, et ça coûte cher. C'est défiscalisé aux deux tiers, le lien pour faire un don de soutien est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est défiscalisé aux deux tiers, comme l'adhésion et la réadhésion, disais-je, profitez-en. Bravo aux réadhérents et aux donateurs, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes de 2023, et vive la France.